C'est sûr. Je pense qu'elle a tout à fait compris. Parce que ce que j'explique tout le temps, c'est quand on travaille dans le parcours, on fabrique des lettres. Après, ces lettres forment des mots. Et on doit pouvoir faire une lecture. Ça doit être lisible. Quand quelqu'un bouge, on doit comprendre tout de suite ce qu'il est, comment il est, le feeling, il est bien, il aime ce qu'il fait et tout. Donc elle a tout compris. Et forcément, le fait, quand on a atteint ce niveau, pas forcément obligé d'avoir un haut niveau, on peut avoir un petit niveau et être très fluide, et avoir un gros niveau et pas être fluide du tout. Donc la fluidité amène aussi une fluidité dans l'esprit, une façon de penser qui va naturellement nous amener à vouloir faire des choses de ce qu'on a comme énergie. On a envie de la donner, donc on a envie de la donner pour quelqu'un pour qu'il apprenne, pour quelqu'un pour qu'il sorte d'un problème, pour quelqu'un pour... Donc tout ce qui est humanitaire et tous ces trucs, pour moi, c'est la continuité. Je crois parce que le parcours, il est en expansion. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont moins bien. Il n'y a pas de choses pas bien, il y a des choses moins bien. Et à un moment, ça va redescendre. Et là, il y a un équilibre qui va se passer. Et les gens, ils vont comprendre. Ça va prendre forme. Pour l'instant, c'est comme un plat qui chauffe. Et il faut que ça se calme un petit peu. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui aillent un peu plus loin que ce qu'ils auraient dû faire pour comprendre qu'il ne fallait pas qu'ils aillent si loin. Il y en a qui va falloir qu'ils poussent un peu plus. Et à un moment, il va y avoir un juste milieu qui va arriver. Et tout le monde, ça va être évident pour tout le monde. La pratique, pourquoi je suis là, les causes que je défends et tout. Pour moi, c'est évident. Le corps, c'est le véhicule. L'esprit contrôle. Sauf que tant qu'on n'a pas fait la connexion, il y a un désaccord. C'est un peu comme un cheval et un cavalier. Et c'est comme si le cheval n'a pas pris conscience qu'il y a un cavalier. Donc le cheval, il va aller à droite, il va aller à gauche. Sauf que quand il sait qu'il y a le cavalier, c'est le cavalier qui lui dit « Non, tu vas là, tu vas plus vite, tu vas moins vite. » Et là, il prend le contrôle. Et ça, ils font qu'un. Le cavalier et le cheval font qu'un. Et quand ils font qu'un, là, tu peux dire que tu as trouvé l'accomplissement et que tu es épanoui. Et le but du parcours, c'est d'arriver à créer cette connexion et de sentir qu'on n'est plus en danger, qu'on n'a plus de stress, qu'on ne prend pas de risque, qu'on ne va pas dire ah, « je vais m'entraîner, je vais peut-être me faire mal ». On est dans un état de bien-être et en accord avec soi, donc je comprends tout à fait ce qu'elle dit. Ah, nice. Thank you. Thank you so much.